Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer tous mes achats Primark. Donc toujours dans les 5 Primark de l'Île-de-France, au Paris Nord, Le Quartz, Créteil-Soleil qui est le plus proche de chez moi, et Val d'Europe, Évry 2. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc ouais, le plus que j'achète c'est Créteil-Soleil. Donc, tout ce que j'ai récolté pendant l'été et ces derniers mois. Donc, il y a pas mal de bons trucs. Je vais vous montrer le plus récent. Donc, ce qui vient de sortir sont les shampoings unicorn. Donc, bien sûr, ils disent pas le parfum, mais ça sent un peu la fraise et la cerise en même temps. Ça sent super bon. Ouais, ils sont neufs. Hein. Ils sont neufs. Au perculé, ouais. Donc le shampoing, l'après-shampoing. Voilà, l'après-shampoing et le masque. J'ai pris les trois qui existaient donc. Donc voilà, j'ai hâte de tester, voir si c'est pas mal quoi. Ouais. Mais je pense que c'est fantaisiste. On va voir si ça fera effet. On verra bien. C'est juste pour le fun. Donc ils sont pas chers, hein, heureusement. 2 euros, 2 euros. Et lui, 2,50. Donc voilà. Ensuite, une autre collection de shampoings. Donc la marque PS hein, qu'on voit partout. Le shampoing, donc Grapefruit Pink, je crois, c'est. C'est raisin, je sais plus, et mandarine. Donc elle sent super bon. Donc voilà, le shampoing et avec son après-shampoing. Donc voilà, ça a l'air pas mal. J'ai senti en boutique, ça sentait super bon. J'ai pris direct. Et trop pas cher, 2 euros ouais, chaque. 2 euros chaque. Ensuite, le Coconut Body Scrub. Donc gommage. À la noix de coco, huile de noix de coco, gommage pour le corps, 4 euros. Sent super bon. Bon, voilà. Ensuite, la marque Ask. On la voit partout, cette marque. On la voit même sur Beauté Privée en liquidation. Et là-bas, ouais. Par contre, à Primark, elles sont un peu chères. Elles sont à 4 euros, je crois. Mais ça va, ça reste raisonnable. Y a pire, quoi. Donc celui-ci c'est pour shampoing protection couleur. Couleur éclatante, protège et régénère sans sulfate ni parabène. Ouais, celui-ci je l'ai liquidé. Hein. Donc ouais, pendant tout l'été. En plus je me suis fait une colo Bordeaux, on va dire. Bordeaux rouge. Ouais. Donc il arrive presque à sa fin. Mais ils en vendent plus, du coup c'est dommage. Et. Un après-shampoing au Monoï. Donc voici. Ouais, lui aussi sans sulfate, sans parabène et sans colorant artificiel. Voilà, Monoï, ouais, Monoï Oil. Quoi d'autre? Ben, seulement Monoï Oil, donc ça va. C'est un bon. Ensuite, Argan Oil, donc masque pour cheveux, 1,50 €, pas trop cher, très pratique. On va voir si c'est bon. Ouais, ça va. Il sent l'argan, hein, mais un peu fumé. Ensuite, celui-ci, je l'ai testé. Il est pas mal. Franchement, il fait bien briller les cheveux. Surtout quand on a des frisottis, ça sert beaucoup. Donc voilà. Ensuite,
Un masque pour les cheveux colorés. Masque capillaire, voilà, 200 ml. Il y avait d'autres trucs, shampoing et tout, mais c'était un peu cher, je trouve. Donc j'ai pris que celui-ci. Quoique, si c'était 2 euros, ça passait, hein. C'est pas grave. Voilà, 3 euros. Ensuite, le parfum, presque une copie de Victoria's Secret, qui sent super bon. Summer Heat, 4 euros. Trop pas cher, il y en avait plein. J'ai préféré celle-ci. Les autres, j'ai pas trop aimé. Je suis pas craqué, quoi. Ah ouais, elle sent la bombshell. Ah, la bombshell, ma préférée de Victoria's Secret. Ah, elle sent pareil. Franchement, on met en moins cher. Alors là, c'est la belle affaire. Bombshell en le truc qui coûte 40 euros, quoi. 40 dollars, je sais pas quoi. Donc voilà, ensuite, un baume à lèvres à la pastèque. Il est très enfin il est très peu rosé sur les lèvres. C'est un rose léger quoi. Ça va. Ouais, il sent bon la pastèque. Elle est très bien. J'en ai servi un peu. Un vernis métallique. Celui-ci, il est turquoise métallique. Martian. Oh, j'ai grave kiffé. 2 euros, trop pas cher. Des faux ongles. Donc holographique. Blue Dream. Celui-ci, cette fois, il y a la colle ou pas? La colle. Ouais, with adhésive. Donc il y en a 24 en tout. Il est pas mal, hein. Il est violet, reflet bleu. Donc voilà. Un petit serre-tête citron. C'est pas mal ça. Fait très été. Ensuite des lingettes, ouais. À l'aloe vera. Bon, il y en a 20 dedans. Lingettes pour les mains. Au baie. Senteur baie. Et extrait d'aloe vera, d'accord. Ok, ensuite une petite brosse de poche avec miroir. Je l'ai bien servi. Donc voilà. De poche. Une petite pochette pour lunettes. Non, c'est là. Donc voilà. Holographique. Il est trop beau lui. Oh là là, on le voit de loin dans la boutique, hein, tu prends direct à 2 euros, je crois. Grave pas cher. Les boucles d'oreilles que j'ai achetées juste après Halloween, 3 euros, c'était les dernières. Et cette paire-là, je l'ai mise où? Je sais plus. Et je sais même plus c'était quoi. Faut que je retrouve. Ensuite, un petit kit Jurassic Park. Ouais, c'est les gels douche et plus un arroseur tête de T-Rex. Ouais, Fun Water Squirter. Fun Bass Squirter 7. T-Rex Bass Squirter. Bass and Shower Gel. Ouais, donc le gel douche, ça. Le gel douche, ils disent pas le parfum, hein, je pense. Ouais, ils vont dire que fragrance. Ouais. Donc, voilà, Jurassic World. Hein. Les nouveaux films, donc celui-ci, 5 euros. Voilà. Ensuite, bon, des brosses à dents, hein, vite fait, 1,50, trop pas cher. Une autre brosse à dents pour tester au charbon, 1,75 €. Et je testerai avec lui là, pâte de charbon de bois, 2 euros. Donc voilà, ensemble. PS Hollywood. Toujours dans le charbon, 2 euros. Le gel douche. Donc voilà, gel douche, il y a encore neuf. Tellement j'ai trop de trucs. Ensuite,
les masques Royal Jelly. Donc ceci, il y a sûrement du miel. Ouais. Donc à la gelée royale. Vu que c'est super cher en boutique, celui-ci il était à 1,70 € je crois, un truc comme ça. Trop pas cher, j'étais étonnée à la caisse. Il n'y avait pas le prix en rayon, mais quand j'ai demandé, j'ai fait ah ouais, c'est bon. Je prends direct. Ensuite, ouais, pour les pores du nez. Ouais, je crois que c'est. Ouais, c'est un petit masque. Nettoyage en une étape, bande pour les pores du nez à l'aloe. D'accord. Ils disent pas il y en a combien. Ouais, il doit y en avoir qu'un. Donc voilà. Ensuite, masque au chocolat chaud. Ceux-là, on les voit partout, hein. Donc j'ai hâte de tester. À l'huile d'olive vierge. Et beurre de karité, on dirait. Ouais, beurre de karité. Voilà. J'en ai pris deux comme ça pour voir, pour tester. Je verrai. Si j'ai pas de bouton, hein, on verra. Mais j'ai facilement des boutons, donc ça prouve si c'est de la bonne qualité ou pas. Ensuite, un petit porte-monnaie. J'ai mis ma carte d'identité dedans. Très mignon. Ouais, argenté bleu. Donc voilà. Ensuite, cette trousse-là, elle est trop belle. Elle est holographique. Mais comme des cailloux, quoi, dessus. Ouais, on dirait des cailloux, mais non, c'est tout plat. Donc voilà, trousse de maquillage. Là, on met les pinceaux. Là, on met tout, hein, rouge à lèvres, palette. Très pratique. Donc voilà. Ensuite, une petite trousse coquillage qui est en vente tout l'été. Avec tous les accessoires, ciseaux, pince à coupe-ongles, lime, pince à épiler et l'autre. Donc voilà. Il est trop beau, holographique. Ensuite, un bon parfum Serenity, tout petit. Dans le sac, c'est pas mal. Ah, il sentait trop bon, lui. Ah, elle sent la noix de coco. La noix de coco et la vanille, je crois. Ah ouais, ils sont trop bons. Donc Serenity, c'est l'un des parfums qui sentent bon chez eux, vu qu'il y en a. C'est vite fait, mais celle-là, elle est pas mal. Donc ouais, ils sont à 3 euros les parfums. Un petit kit que j'ai déjà utilisé, donc brosse à dents pliable. Voilà, dans la trousse, c'est pas mal. Et sa brosse à dents. Ça lave, mais vite fait, hein. Goût un peu menthe, mentholé, ouais, menthe fraîche, c'est écrit. Voilà, fresh mint. Ensuite, ouais, le collier scorpion, là. Il y avait tous les signes astrologiques, 3 euros. Je l'ai mis quelque part, ouais, faut que je le retrouve, le collier. Il y avait bah, le signe scorpion, hein, je suis là. Non. Ouais, je suis là, je suis là. Ouais. Après Sagittaire, nanana. Donc voilà, il y avait tous les signes astrologiques. Scorpio, c'est moi. Voilà, pas cher, 3 euros. Une belle pochette pour PC. Mais franchement, on peut s'en servir pour trousse de beauté, hein. À l'ananas, enfin aux ananas, c'est toute dorée, métallisée. Et les ananas sont pailletés, des paillettes bizarres, rouge, rouge, jaune, orange. Et vert aussi. Est-ce qu'on peut voir? Non. Les paillettes, c'est pas évident, hein, sur la caméra. Si je fais comme ça, on se rapproche des paillettes. Gros zoom. Non, on voit que jaune, doré. On voit pas le rouge et tout. Non, faut le voir. Faut le voir sur place. Franchement, elle est trop belle cette trousse. Donc elle est à 8 euros. Trop pas cher.
Oh, j'ai craqué direct, elle brille de loin. Petit sac holographique métallisé avec des chaînes multicolores, quoi, holographiques. La bandoulière, voilà. Un petit zip d'intérieur, une petite poche d'intérieur. Voilà, pratique. Petit porte-clés pochette. Il y avait un smiley dessus, je l'ai enlevé, il était trop moche. Donc voilà, j'ai réussi à le retirer sans abîmer le truc. Oh, il est trop beau quoi, glitter. Glitter rose quoi, trop beau. Trop trop beau. Une autre belle trousse multicolore. Donc trop belle quoi. Trop belle. Ah oh, mais ça, j'ai envie de la mettre en sac à main. C'est faisable, hein, sac à main ça. Personnalisé sur les côtés. Dommage, il n'y a pas des petites accroches pour mettre une bandoulière facile. J'en ai plein en plus. Ensuite, une trousse sirène holographique. Voilà, derrière, c'est bleu turquoise métallique. Oh là là, ça fait océan, hein. C'est trop beau. Oh, trop belle trousse, je crois. Ouais, elle était à 5 euros. Tout comme celle-ci, 5 euros. Les grosses trousses, c'est 5 euros. Donc voilà, ensuite, des robes, des serviettes robes avec des bretelles. Donc j'en ai deux, une noire. Une noire, ouais. Et à l'avant, il y a des poches. Celle-ci, elle a des poches en cœur. Ouais, sur les deux côtés. Ouais, les poches aident à dire que c'est le devant, quoi. Donc voilà. Ensuite, en vert aussi. Un très beau vert. Y a-t-il des poches? Ouais, des poches en cœur aussi. D'accord, il n'y en a qu'une. Mais ouais, ça dit bien que c'est devant. Donc voilà les bretelles. Voilà. Ensuite, un tapis de bain avec des coquillages. Des coquillages beige nacré, on va dire. Beige nacré, ouais. Donc voilà, celui-ci pas cher aussi. 5 euros. Ouais, 5 euros. C'est pas mal. Très joli. Ensuite, deux têtes d'oreiller, sirène et licorne. Today I'm a mermaid, tomorrow a unicorn. Très joli. Donc voilà. Combien? 5 euros les deux têtes. Très mignon. Ensuite, bon, mes pyjamas que j'ai déjà portés, collection été. Ouais, je suis à fond pastèque aussi. Donc, le haut et le bas ensemble, des ensembles, pyjama, avec des petites cordelettes argentées. Voilà. Ensuite, un couple de pastèques. Hein. Ouais. Très mignon avec le bas, les petits shorties pastèques. Voilà. Ensuite, celui-ci est trop beau. Life and the Beach. Trop beau. C'est en relief en plus les couleurs. Donc la chaise longue, le parasol. Ouais, tout ce qui rappelle bien la plage. Trop beau. Et là, je crois que c'est ouais, c'est des feuilles. Donc voilà l'ensemble. Ensuite, une robe à 5 euros, trop pas cher, avec des encres. La robe est bleu marine. Donc voilà. Ensuite. Ouais, ça c'est le truc de Noël dernier. Ouais, janvier, ils vendaient. Tout soldé, hein. 1 euro les deux chouchous, donc. Ensuite, un gros pinceau plat
Donc c'est pour le fond de teint et le concealer. Duo brush, d'accord. Ouais, duo. Duo. Ouais. En fait, ouais, c'est un double en un. C'est un deux en un qui fait fond de teint et concealer. J'ai hâte de le tester ça. Très hâte. Ensuite, une belle petite trousse en forme de lapin. En tête de lapin. Ouais. En simili-cuir. Ce que j'aime bien chez les hommes, c'est qu'ils ont des beaux shorts de bain. Donc, ouais, j'en avais pris un aussi, le bleu à la pastèque. Et celui-ci, palmier. Oh, tout ce qui est palmier, j'adore, moi. Oh, ils ont de la chance, les hommes. Hein. Ils ont des bons fringues et en plus pas cher. Genre 5 ou 10 € les shorts. C'est un short de bain. Je m'en fous que ça soit pour homme, sérieux, je le mets quand même. Hein. Je l'ai mis à la Japan Expo et j'ai kiffé. Franchement, moi, c'est mixte hein, pour moi. En plus du orange fluo, super mixte. Ensuite, des shampoings pas chers. Alors j'ai pris les trois différents. J'en ai pris un à la noix de coco et aux fleurs de cactus. Donc voilà. Il sent bien la noix de coco. Ouais. Après le cactus, j'en sais rien. Hein, mais c'est la noix de coco qui prime sur l'odeur. Ensuite, au miel, manuka et argan huile marocaine, quoi. Donc voilà. J'ai le vert ou pas? Non, il est. Ah si? Ouais. Ouais, il sent surtout, surtout le miel. Ensuite, pour les cheveux colorés, à la grenadine et au thé vert. Et cranberry aussi. Cranberry, canneberge. Donc, ouais. Protection des couleurs. En plus, j'en ai besoin en ce moment. Avec ma colo rouge. Bordeaux, donc très pratique. Je vais me mettre de côté comme ça, j'oublie pas. Ensuite, les shampoings secs Baptiste. Celle-là, c'est Jaguar. Je me demande l'odeur, c'est quoi? Au parfum sensuel. Parfum sensuel. Attends, ils disent là. Ah, mode dans le pain, nanana, on s'en fout. Ouais. Bref, moi je vais sentir direct, je vais vous dire l'odeur. Ah ouais, je sais pas, franchement, c'est tellement mélangé. Je sais pas, ça sent le parfum. Moi. Ça sent le fleuri, je crois. Ouais, c'est dur à dire. Donc un spray, ouais, ça c'était pour Halloween ou au Noël, je crois que c'était pour Noël. Donc Bordeaux, 1 €, c'était en liquidation après Primark toujours. Ensuite, un petit foulard chez les gosses. J'aime bien prendre, j'aime bien aller chez les gosses aussi, ils ont des bons trucs. Foulard, comment dire? Collier foulard quoi, qui n'a pas de bordure. Donc voilà, un col, on va dire col foulard. Il est étoilé, trop beau, avec des lunes. Il est noir, hein, de couleur noire, avec des étoiles filantes aussi. Oh, ils ont des beaux trucs les gosses, hein. Bah j'ai pris, hein, c'est ça peut être mixte ça. Je vais le mettre tout l'hiver ça, hein, je pense. Ensuite. Un petit sac, ça date de l'année dernière. Petit sac orange fluo, très pratique. Avec double compartiment. Voilà. Toujours la marque Atmosphère avec la bandoulière. Ensuite, j'ai acheté plein de coton à 75 centimes. Ceux-là sont les plus connus. Hein. Tout le monde les prend. Donc voilà, j'en ai pris 4 comme ça. Ensuite, d'autres pyjamas que j'ai portés. Donc, à bretelles, pastèques, shorty rose, des t-shirts pastèques, à fond pastèque. Donc, ah, ce parfum. Ce parfum, il est trop beau.
Ils sont trop bons, je veux dire. 8 euros, j'en ai déjà liquidé un, la moitié. Sans le melon, la pastèque. Donc là, ouais, ça dit tout. Cocktail. Nanana. Alors, la pomme verte. La pastèque. La gava, je sais pas c'est quoi. Hein. Et il y avait un autre truc, je sais plus. Ouais. Ah, lait de coco, voilà. Lait de coco et pastèque sont les plus prononcés. Après, la pomme, non, pas du tout. On la sent pas. Mais elle sent super bon. Ça sent trop bon, ce parfum. C'est fou. Ouais, j'ai bien fait d'en prendre un deuxième vu que il va plus en rester bientôt, vu que l'été se finit. Donc voilà. Oh, le packaging aussi, il est magnifique. Hein. Oh, il est trop beau. Ensuite, un bonnet de douche, enfin un bonnet de microfibre pour faire sécher les cheveux. Et il est long. Donc voilà, turquoise avec des coquillages. Voilà, très mignon. Et un cœur. Un cœur diamant. Ensuite, un petit haut trop pas cher. Couleur corail. Enfin, couleur pêche, je préfère dire. Ah, il était pas cher lui, hein. 3 euros. Mais je crois qu'à la caisse, je sais pas pourquoi, elle m'a fait 1 euro. Oh, j'étais contente, hein. Donc voilà, pêche avec des bordures forme de nuages. C'est mignon. Bon, voilà. Ensuite, un sac métallisé. Un sac métallisé vert. Ça fait vert sirène, hein, d'ailleurs. Voilà, bandoulière. Bandoulière à chaîne. Enfin, bandoulière. Voilà. Très joli. Ensuite, le foulard d'été. Je sais plus si j'ai pris le maillot qui va avec. Je sais plus. Mais il est trop beau, le foulard. Ouais, foulard d'été. Foulard ou pareo. Avec des feuilles multicolorées. Trop beau. Sur fond noir. Trop beau, ça on le voyait partout, hein. Tout l'été il y était. Je crois il m'a coûté 5 euros, je sais plus, 5 ou 3. Ouais, j'ai enlevé le prix. Ensuite, ouais, là-bas j'arrive enfin à trouver ma taille de soutif. Donc, ouais, je fais du G. Je fais du G. Donc voilà, du 100G. Des fois je fais du 100G, des fois du 100, 110. Truc comme ça. Donc voilà, derrière, ouais. Sur le côté, c'est dentelle. Voilà, trop beau. Trop beau pêche. Pêche fluo. Avec la culotte qui va avec. Petit nœud au milieu. Trop beau. Voilà. Ensuite. Un autre. Celui-ci, ouais. De la même couleur j'ai pris en dentelle. C'était à part. Mais vu que c'est la même couleur, ça passe très bien ensemble. Donc voilà. Ensuite. Des carnets. Ouais, des protège-passeport. Celui-ci, la bulle holographique. Trop beau. Oh là là. Trop belle couleur. Celle-là. Protège-passeport aussi. Couleur sirène, voilà. Là, je pense c'est bon. Hein. Voilà, j'ai tout montré. Ah, il reste cela, des porte-clés pour tout. Hein. Donc celui-ci en cupcakes, planète, trop beau. Il y a Saturne avec un petit cœur. Ah non, c'est à part. Donc la planète, je me disais, t'es bien seule, voilà. Holographique et la glace là à cœur holographique. Voilà. Oh là là, bête d'achat chez Primark. J'ai trop acheté, trop trop trop.
cet été ou même en hiver. Trop. Voilà, il n'y a plus qu'à ranger.